Ouais, c'est aujourd'hui. Mon dernier jour ici. Je sais pas si j'ai pas envie d'y aller. Maintenant, la chose la plus importante, c'est de vous présenter mon nouvel endroit. Mon nouvel Eldorado. D'abord, on charge tout le bordel qu'il y a ici dans le camion et on y va direct. Putain, c'est trop le bordel en plus. Déjà, on va faire ça très proprement. Non, je déconne, je m'en bats les couilles. On va prendre en premier les établis. On va le mettre in la fourgonnette, qui est juste au dehors, là. Ma destination. Avec le haillon et tout, t'as vu? La grosse classe, hein. C'est de la merde. J'ai trouvé un petit chargeur de téléphone. Et boum, la richesse. In the pocket. Oh. Ça, c'est la classe. Mon petit étau favori, tu restes avec moi, toi. Oh. Très bien. On déménage, là, c'est sérieux, hein. Ah, on rigole pas avec ça, nous. Commencement les gars, ça commence à peine. Tu vois bien les gars. Là c'est 10% de mon énergie, hein. Tu sais pas toi. Bon du coup ça découvre un peu ce qu'il y avait dessous. Pas mal de choses quand même, hein. Putain mais j'en avais de la merde, hein, je vous le dis. Ajoutez les matures, ajoutez. Voilà ce qu'il ne faut pas voir. La couche maléfique on l'appelle. Putain de merde. Petite astuce pour le petit demi-tour de galérien. Prends-en de la graine, petit jeune. Ou vieux, j'ai pas quitté. Allez, maintenant, ma petite. Dis au revoir ici. Tu quittes le Berca et tu reviendras plus jamais ici après 5 ans d'années folles. Ouais, je suis poète aujourd'hui. La puissance. Ah, marche pas. Merde. J'ai pas appuyé. Attends. Ça le fait. Ensuite, on va prendre la 2013 que vous voyez jamais, mais elle est bien là, hein. C'est un peu long mais je kiffe. Professionnel, on a rien ken. Allez maintenant on prend la mobilette, mon petit bébé. Ensuite il manque le vélo électrique et je pense que c'est bon pour les engins. On fait déjà un aller-retour, ça sera pas mal. C'est triste, c'est triste. Enfin bon, de toute façon, on va revenir quand ça sera complètement vide ici et je pense qu'on va faire quelque chose. Voilà, ça va chier. Bienvenue à mon nouveau dépôt. Attention les yeux, attention les mirettes. Ouvre bien l'œil, ça va chier. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Franchement, c'est pas mal, je suis très content. Je sais pas si c'est définitif, tu vas me dire ce que t'en penses, mais moi je suis trop content. Il est temps d'arrêter de blablater et de vous montrer l'endroit. Welcome. Mon nouvel Eldorado. Alors, c'est pas si petit que ça les gars, hein. Allez, je vous fais visiter. Donc là, on a la petite partie atelier bien rangée. Oui, oui, regardez bien, c'est rangé. Ok, ensuite on continue. Donc là, on a l'espace de travail. Là que je vais pouvoir faire le fou, comme ça là. Trop bien quoi. Ah, de ouf. Bon, c'est un peu plus petit que le gros truc qu'il y avait là-bas, mais honnêtement, je suis trop content. Et franchement, j'ai failli être à la rue, hein, donc. Attends, je crois qu'il y a un truc en haut en plus. Suis-moi. Hop là. Bon, c'est pas encore construit, mais ici, ce sera les chiottes et la douche. Voilà, on va bien aménager tout ça. Hop là. Bon, il y a encore une pièce que je vous ai pas montrée. Peut-être mon petit bureau, c'est pas encore fait. Je vous le montre vite fait, c'est un peu deg. Attention. La porte du chef. Hop là. Voilà.
Ça sera mon petit bureau ici. Bon, c'est pas encore fait, c'est pas encore fini, c'est pas encore construit. Mais ça va être bientôt. En gros, c'était vite fait le petit tour, je suis trop content. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vraiment ça parce que votre avis compte et ça, vous le savez, putain. Vraiment. Maintenant, on va rentrer chacune de mes motos. Je vais vous présenter pourquoi j'ai la moto, qu'est-ce que j'ai fait avec et qu'est-ce que je vais faire. Parce que vous êtes hyper nombreux à avoir rejoint la chaîne depuis ces derniers mois et je pense que tout le monde ne sait pas. C'est parti, défilé de moto. Alors déjà on va commencer par la 636, donc mon petit bébé comme vous connaissez déjà. Je t'ai choisi, ça sera toi la première à fouler le pied, enfin le pneu dans mon atelier. T'es contente ou pas? Bah réponds-moi. Bon, on vient juste de nettoyer, c'est un peu mouillé par terre. T'as bien entendu, ça craint, je pars en couille, je change. Bon, pour ceux qui suivent la chaîne, c'est pas une nouvelle moto pour vous, hein, tu sais qui c'est mon bébé, mon petit bijou, ma vida. Ma petite 636 Kawasaki de 2005, c'est une ZX-6R pour être précis. C'est la moto sur laquelle je me suis le plus amusé, c'est celle où je me sens le mieux quand je stunt. Et c'est surtout sur celle-là que je prends le plus de plaisir à rouler, et c'est ça le plus important, vraiment. Et pour ceux qui sont curieux de la voir à poil la madame, complètement nue, j'ai fait une vidéo où j'ai démonté entièrement et remonté entièrement cette moto, en réparant toutes les conneries, refaisant la peinture et tout, je t'invite à aller la voir, elle est juste là. Et maintenant on passe à la suivante. Maintenant la fameuse, la légendaire je dirais 125 CVR de chez Honda. La super 125. J'ai pas encore de béquille. Il va falloir la refaire celle-là aussi. Ça me désespère d'avoir crevé comme ça, putain. Là on est sur le petit jouet pour apprendre le stunt qui pour moi est la meilleure. T'as pas trop de thunes et je veux te mettre dans le stunt. Un conseil, chope cette moto là, elle est hyper agréable à rider, elle coûte pas grand chose, tu la casses jamais. Un must à avoir. On va la refaire de A à Z celle-là aussi. Je sais pas quand. Si vous êtes chaud, dites-moi en commentaire. Next. Le petit bébé que vous voyez jamais, la 2013 636 de chez Kawasaki. Oui, celle-là, vous la voyez clairement jamais. Et je m'en excuse, hein, les gars. Je sais que vous êtes nombreux à me dire en commentaire, putain, on la voit jamais en 2013. Et oui, c'est normal, parce que c'est la seule, en vrai, qui est dans un bon état. Voilà, c'est pas... Ça pour me vanter, mais je suis pas très bon mécanicien. Et oui, parce que pour ceux qui savent pas, à côté de YouTube, j'ai un métier de cascadeur pour quelques films, et du coup, je garde une moto propre pour pouvoir la présenter sur quelques films, si besoin. D'ailleurs, là, il reste une trace du dernier film que j'ai fait. Ils avaient accroché ma moto sur un treuil. Elle était dans les airs, mon gars, elle volait comme Peter Pan. Non, c'est pourri Peter Pan. Ça, c'est quoi les aliens là, qui volent là? E.T. voilà, putain. En gros, c'est celle qui n'a jamais de problème. Et elle doit pas en avoir. C'est un outil de travail. Donc, ça, c'est l'un des prochains projets, c'est le Dax. Là, on est d'accord qu'il y a quand même pas mal de choses à refaire. On va dire qu'il a été mis à l'abandon depuis à peu près 4 ans. C'est juste que par manque de temps et de place, il a traîné dehors pendant quelques années. Je suis un peu deck parce que franchement, il est en nickel état, même si on dirait pas comme ça, je suis d'accord. Alors, c'est un cadre de 50, mais il y a bien un moteur de 125 à l'intérieur. Oui, je suis un gros gangster, comme d'hab, les gars. Va falloir s'habituer, c'est comme ça. Et donc là, comme ma 636, je suis vraiment chaud de le refaire de A à Z. Donc on démonte tout, on remonte tout et on fait tout propre. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ça en commentaire parce que je suis chaud, hein. Ah, j'ai besoin de votre avis aujourd'hui, c'est comme ça. Ah là là. Ah mais franchement il était en nickel état au début, d'ailleurs si vous avez pas vu j'ai fait une vidéo freeride avec. Et oui, comme un gros gangster, juste ici encore je vous la mets. Bon maintenant on va chercher le booster. Où on fait du stunt avec. Par contre, on est sur du lourd. Un putain de booster à l'ancienne, mon gars. En Yamaha Biwi, c'est la Rosta des années 90. T'avais ça à l'époque, t'emballais tout le monde. Tout le monde, mon gars. Et en plus, en stunt, ça déboîte. C'est hyper simple à rider. Et encore une fois, j'ai fait aussi une vidéo où j'ai remonté entièrement le scooter. Va checker ça. Une tarte d'en refaire, d'ailleurs. Allez, vous respectez la nouvelle qui va arriver. C'est la mobilette, hein. Je vous ai prévenu. Elle vous surpasse tous, c'est de loin. Faites pas les malines. Elle arrive. La 103, je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier. Vous m'avez régalé sur la dernière vidéo. Les commentaires, c'est un truc de dingue. Ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, on la fait tourner. Mais je vais quand même vous la présenter. La plus belle. Toute là. Regardez-la. Et imprégnez-vous de sa prestance. Prenez de la graine. T'es trop belle. T'inquiète pas. Pour les petits nouveaux, ça c'est une Peugeot 103 que j'ai chopé il y a pas très longtemps. C'est juste vraiment pour le fun. À l'ancienne. Et en plus des 50, j'adore ça. Bon, là on l'a quitté 70. Si tu as pas vu, c'est la vidéo d'avant. Ça m'a envoyé du pâté. Et d'ailleurs, désolé, ça devait être celle-là qui sortait cette semaine. Mais j'ai eu le déménagement. Comprenez-moi bien que j'ai pas eu le temps de ouf de la faire. Et maintenant la machine la plus puissante. On l'appelle le hit. Et voilà on y va. On est arrivé. Oh, franchement il déboîte de ouf ce vélo. Je sais que vous êtes très intéressé par ceci. Donc là on est sur une moto vélo électrique Hitrix. Je vois que dans les commentaires vous êtes super chaud à chaque fois à dire ah c'est un vélo il coûte 5000 euros et tout. Moi personnellement je l'ai pas payé, ça a été un sponsoring il y a quelques années en arrière. On est sur le modèle R01, donc c'est le plus gros modèle qu'ils avaient à l'époque. C'est vraiment comme une petite moto, faut vraiment faire gaffe. Et ça envoie le pâté de ouf comme vous avez pu le voir dans plusieurs de mes intros. Franchement ça tue et je suis super content que vous êtes intéressé par ce vélo. On va en faire du ride avec, vous inquiétez pas. Et voilà, bienvenue à la maison.
dans mon nouveau chez moi les gars, avec tous mes engins et tout. Je suis trop content, franchement c'est un truc de ouf. On a un putain de frigo. Un truc de taré mon gars, c'est la classe ou pas? On s'est ramené mes affaires, mais on les a pas mis encore à leur place, ça va se faire tout à petit. Oh putain, vous avez vu ça ou pas? Quand il faut les gars. Oh non, moussaillon! Bienvenue chez Jorian, le capitaine avec toute son équipe. Oui, je sais pas pourquoi je fais le pirate alors j'ai un chapeau de cowboy, me demandez pas, on s'en bat les couilles. Et il est temps d'arrêter ce délire, je pense. Voilà, c'était un peu trop long déjà. Petit tricks. Voilà, c'est bon, on va dire c'est bon. Et là, par contre, j'ai une petite exigence, je m'en fous, hein, mais à chaque fois que je sors des chiottes, que j'ai fini de pisser, il va falloir absolument que j'ai une barre de pompier ici, là. Là, comme ça, je vais descendre comme un fou, là. C'est ma priorité ici, hein. C'est pas les motos, c'est la barre de pompiers, j'adore. C'est un peu comme un nouveau départ pour moi, je suis trop content d'arriver dans le truc. J'espère que ça se ressent, j'espère que vous aimez quand même l'endroit, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Parce que c'était quand même une petite inquiétude, on va pas se le cacher entre nous, j'espère que ça vous plaît, parce que bon maintenant, on est ensemble, hein, on se quitte plus, donc bon, ça plaise à tout le monde. Je voulais vous faire une meilleure vidéo aujourd'hui, mais bon, hein, on déménage en même temps, hein, et ça c'est pour de vrai. Hein. Au moins je vous ai présenté toutes mes motos et mon nouvel atelier, dites-moi si ça vous plaît, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis merci et on se voit à la prochaine.